Merci, Maï, amis téléspectateurs. Matin Bonheur se poursuit jusqu'à 8 heures. Nous allons ouvrir le téléphone 22 40 12 58. Vous avez la possibilité à présent de nous appeler pour faire une dédicace à une personne qui vous est chère. Le temps pour vous de prendre votre combiné. Nous, on veut faire un coucou aux jeunes gens qui aujourd'hui ont compris que tout le monde ne peut pas travailler dans la fonction publique. Et c'est pour cela qu'à Williamsville, des jeunes diplômés ont décidé de se lancer dans la vente des équipements sanitaires. Pour eux, ce commerce est le cheminement d'un métier qui est celui du plombier. Lui, c'est Jean-Mélène Digino Côte d'Ivoire. Le virus de la coiffure le tient. Après la coiffure pour homme, Gino n'a pas raccroché les ciseaux. Il atterrit dans le milieu des femmes. Auparavant, c'était pour les filles, les femmes. C'est bien beau. Mais c'est quoi les femmes la font et puis nous hommes là, on ne peut pas faire aussi. C'est possible. Et puis c'est nous-mêmes là, on a envie de donner de l'art pour aller loin à ça. Donc c'est pour ça ce qui a fait que moi-même là, je me suis donné à ça. Et par rapport à moi, j'étais coiffeur l'homme. J'étais coiffeur d'homme. Après coiffeur d'homme, j'ai dit non, moitié de ça, il fallait que le mec quelque chose de plus encore. Et je me suis intégré pour les femmes. Et ce qui a fait que non, jusqu'à présent, je vois ici, je suis sur les femmes là. Et c'est comme ça, c'est parti. Il coupe, tond, lisse et tresse les cheveux. Quand il y a quelque chose en toi comme ça, tu veux faire. Ça, tu n'as pas besoin même là, pour aller même apprendre. Il suffit de regarder un peu ce qui se passe sur les gens là. Au fait, ça, toi maintenant, tu dois améliorer pour toi aussi. C'est comme ça, c'est passé. Il a l'art de redonner le sourire aux dames. Depuis que j'ai commencé à métisser ici, je ne vais plus ailleurs. Parce que toutes les coupes que je fais me vont très bien et on m'apprécie. C'est parce qu'il m'apprend bien. Quand elle est venue ici, je suis venue chez ma grand-mère, elle m'a envoyé ici. Pour qu'il n'a qu'à apprendre, elle a dit qu'il fait un bon tisseur, qu'elle vient se coiffer, qu'il la tisse bien, ça pour ça que cela est venu ici. Ici, un style correspond à un visage. Côté coiffure, il suit la tendance. Gino n'est pas le seul à tout faire. Il a des coiffeurs. Aujourd'hui, Gino est fier de son choix et n'envie personne. Amis téléspectateurs, l'élément concernant les plombiers de Williamsville vous sera proposé plus tard. On a plutôt eu droit à un élément qui nous présentait ces hommes-là dans le métier de coiffeur ou dans le métier de coiffeuse, j'ai envie de dire, parce que coiffer les dames, ce n'est pas toujours évident. En tout cas, félicitations à ces messieurs qui font bien ce travail. Nous avons Monsieur Diarra Souba qui nous appelle depuis Yamoussoukro. Allô, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous n'êtes pas bien réveillé, on dirait. Oui, je suis bien réveillé. Monsieur Diarra Souba, vous pensez à qui ce matin? Je pense à ma famille. À votre famille? Oui. En entendant le nom, je suppose que vous allez nous parler en malinké? Oui. D'accord. Allez-y, un coucou à votre famille en malinké. Monsieur Fola, qui a taconné. Annie Moussou, Namna taconné. Annie Pilke, comparé Ousmane. Annie Mrope. Annie Mbarakanyon Bé. Mais elle était mon père Fana Fula. Ils sont à ta foule d'être mouille. Merci, M. Diarra Souba. Mais si vous pouvez traduire pour nous qui ne comprenons pas. Il dit salut, ma maman connaît Kiata. Et ma femme connaît Namnata. Oui. Et à mon ami comparé Ousmane. Mm-hmm. Et à tout le monde à la RTI. Oui. Et à tout ce que, je travaille avec eux. Vous travaillez où? Je suis tapissier à Yamoussoukro. D'accord, c'est bien. Merci beaucoup, Monsieur Diarra Souba. Excellente journée à vous. Merci, merci. Merci de suivre Matin Bonheur. Merci. Au revoir. Okay, au revoir.
22 42 58, amis téléspectateurs, c'est à vous de jouer, c'est votre rubrique, c'est vous qui l'animez. Nous, on est là pour recevoir vos coups de fil. Il vous suffit simplement de nous appeler au 22 42 58 et puis vous pourrez faire une dédicace à une personne qui vous est chère en ce lundi 7 avril 2014. Mais le jeu, c'est de faire votre dédicace en une ethnie, voilà, de la Côte d'Ivoire, ou si vous nous appelez en dehors de la Côte d'Ivoire, hors des frontières de ce très beau pays, eh bien, vous pouvez aussi parler la langue que vous parlez chez vous. Allô, allô? Oh, monsieur Diabagaté est parti. J'espère qu'il pourra nous rappeler. J'espère qu'il aura la possibilité de nous retrouver encore parce que cette rubrique va s'achever exactement à 7h, à 6h59, puisqu'à 7h, on a des impératifs publicitaires. Amis téléspectateurs, 22 42 58 pour faire vos dédicaces. Et puis moi, ce que je vais faire, c'est de faire aussi ma dédicace. Je ne vais pas le faire en langue. Malheureusement, je ne comprends pas bien mon ethnie. Je voudrais, au nom de l'équipe de la matinale, saluer le père Serge Lorougnon, curé de la paroisse Saint-Philippe d'Abobo-Sagbé. Père Lorougnon, curé de la paroisse Saint-Philippe d'Abobo-Sagbé. C'est un père qui, quand il le peut, suit Matin Bonheur. Merci de nous suivre. Merci pour vos encouragements. Un coucou aussi à tous les Boutchous de la Côte d'Ivoire. L'émission Awané a repris ses droits sur RTI 1. Ce mercredi, vous aurez la possibilité de voir la première émission qui a été enregistrée il y a de cela 2 semaines. Et ça va être aux alentours de 15h30 sur RTI 1. Monsieur Diquet, bonjour. Allô? Bonjour, madame. Comment allez-vous, monsieur Diquet? Ça va bien, madame. Super, vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Abengourou. Ah, ça fait plaisir. Ça va là-bas, Abengourou? Ça va très bien, madame. D'accord. Vous êtes Annie? Je suis Cro. Vous êtes Cro? Oui, oui. Ah, ça, c'est une ethnie que je ne connaissais pas. Merci. Grâce à vous, amis téléspectateurs, je vais découvrir des choses. Et les Cro, ils sont où? Bon, les Crocs, ils sont en Côte d'Ivoire, on parle de Wounié. En Côte d'Ivoire, où? Nous sommes à Zérékoré. Zérékoré? Zérékoré. C'est vers où? C'est de quelle partie de la Côte d'Ivoire? C'est au sud, c'est au nord? Vers San Pedro. Ah, vers San Pedro. Voilà. Ah, les Crocs, il a dit. Hein. Oui, les Crocs. Ah, vous n'êtes pas beaucoup, on dirait. Monsieur Diquet, mais... alors parlez-nous en Crocs, alors. Ok, bon. Mais que vous n'êtes pas bien, quoi. Parce que vraiment, il y a des gens qui sont en Gouni. Donc, nous sommes en Gouni. Amérique Antoine, un Amatil, un Joseph Lebel, pas pour Mougan en France. Maman dit au Tchad France. C'est tout? Qu'est-ce que vous avez dit? Voilà, traduction pour nous, s'il vous plaît. J'ai dit, mon papa. J'ai salué mon papa ce matin, ma maman, mon frère Antoine, ma soeur Mathilde et mon frère Vicky Joseph qui est en France. J'ai parlé ça encore. Merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai connu une ethnie encore de la Côte d'Ivoire, le Cro. Merci beaucoup, monsieur Diquet. Voilà, merci, ma tante, parce que la Côte d'Ivoire est vaste, la Côte d'Ivoire compte 62 ethnies. Exactement. Et donc, nous la faisons partie. Merci de nous avoir appelés et bonne journée depuis Abengourou. Merci, ma tante, vous êtes très fort. Merci, on vous aime aussi. 22 40 12 58, amis téléspectateurs, c'est votre rubrique. Appelez-nous pour votre dédicace en une ethnie de la Côte d'Ivoire. Et si vous nous appelez en dehors des frontières de la terre d'hospitalité, eh bien, vous pourrez le faire dans l'ethnie que vous avez l'habitude de parler. Je crois qu'en ligne, nous avons monsieur Meïté qui est impatient de nous avoir. Monsieur Meïté, bonjour. Oui, allô, madame, bonjour. Monsieur Meïté, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Soubré, quartier d'Abadanyoko. Soubré, quartier? Kabadanyoko. Kabadanyoko. Oui, oui. D'accord. Et vous êtes de quelle ethnie, monsieur? Je suis Koyaka. Vous êtes Koyaka. On écoute votre dédicace en Koyaka, s'il vous plaît. Oh là là, ça va être un peu compliqué. Hein. Pourquoi? Vous ne parlez pas Koyaka?
Bon, je parle, mais c'est un peu compliqué. Faites un effort. Okay. Essayez quelque chose. Bon, d'accord. Vous voyez, c'est Dieu. Je salue tout. Je salue et même salutation, Koyaka, vous ne connaissez pas. C'est pas grave. Je salue toutes mes connaissances. J'appelle ce matin pour dédier. Je dis bonjour à tous, à toute la famille Méité qui réside partout en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur du pays. Et aussi, je pense faire un coucou à ma fiancée du nom de Nina. Nina, et comment? Déclarez bien vos biens. Hein. Allons-y. Nina, ouais, comment la fiancée? Nina, qui est coiffeuse au Grand Marché de Soubré. Oui, Nina, mais vous ne connaissez pas tout son nom. C'est Nina, la coiffeuse seulement, vous connaissez. Non, non, laissez comme ça. Comme ça, c'est encore beau. C'est encore plus beau. Et c'est prudent. C'est prudent. Prudent par rapport à quoi? Mais bon, ça, c'est un autre débat. Monsieur Meïté, oui. Comment on dit bonjour en Koyaka? Dites-nous au moins ça. Bonjour, c'est Anis Roman. Voilà, au moins, vous avez dit Anis Roman. Donc, Meïté dit Anis Roman à toutes ces personnes qu'il a citées, surtout à sa dulcinée. Il y a l'homme Bébé Foula. Ah, il s'est rappelé de son épine maintenant. Bébé Foula. Merci, monsieur Meïté. Portez-vous bien à Soubré 2240. 12-58, appelez-nous, faites votre dédicace. Monsieur Touré, bonjour. Allô? Allô? Ben, monsieur Touré, il est parti. Il nous reste, je crois, quelques minutes pour clore cette rubrique. Allô? Il est là? Allô? Ah, monsieur Touré, bonjour. Ah, bonjour, Nami, comment allez-vous? Très bien, chez vous-même? Ça va très bien, très bien. Dites-nous, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Boaké. De Boaké. Vous faites quoi là-bas? Je suis ici pour faire les études. Ah, vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant. C'est super. Et vous, vous êtes de quelle ethnie? Bon, à Malinké. Ah, d'accord. D'accord. Donc, on écoute votre dédicace, monsieur Touré. Voilà, je mets Mylène pour d'abord ma femme, Mylène. Je la salue et lui souhaite un joyeux anniversaire pour le mercredi. Monsieur Touré, non. On a dit qu'on fait ça en malinké, non? Bon, je ne comprends pas tout le malinké, donc je vais mélanger en français et malinké, quoi. Donc, mélanger les deux. Ok, on y va. Essayez. D'accord, bon. Je salue Mélène, Mélène Écra, et mon ami Béité Ali, et toute la famille Touré qui existe partout en Côte d'Ivoire, et également à toi, Naomi. Merci beaucoup, monsieur Touré, mais je n'ai rien entendu de malinqué dans tout ce que vous avez dit, même si vous avez souhaité faire un mélange. Comment on dit joyeux anniversaire en malinqué, vous savez pas? Allah est favori, dis-moi. Ah ben voilà, vous avez fait un effort. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à toi. À bientôt, merci de nous suivre depuis Boaké. Et j'ai envie de saluer tous nos collègues de RTI Boaké qui travaillent dur aussi pour le bonheur de tous les Boakois, on dit, non, je crois. Ceux qui habitent Boaké, les Boakois, c'est ça. Voilà. Merci de suivre Matin Bonheur. Merci de suivre les programmes de la chaîne qui rassemble 2240 1258. Il vous reste exactement 1 minute et 50 secondes pour participer à l'émission. Monsieur Koné du Gabon, bonjour. Allô? Monsieur Koné? Bonjour, notre Naomi, la petite, la plus belle. Bonjour, notre Koné, notre fidèle téléspectateur. Ça va au Gabon là-bas? Tu fais tellement bien ton boulot. Merci, c'est gentil, monsieur Koné. Dites-nous, ça va bien au Gabon? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Depuis Libreville, quand on vous regarde... on se débrouille, je me débrouille avec une cantine ici qui m'appartient. Vous débrouillez avec quoi, on n'a pas entendu? Un véhicule. Ah, vous êtes chauffeur. C'est quoi, pour le transport en commun ou bien c'est les remorques? Qu'est-ce que vous faites, dites-nous. Transport de marchandises. Transport de marchandises. Ah, il paraît que là-bas ça donne bien. Hein? Là-bas ça marche fort, hein. Il rit. D'accord, monsieur Koné. Saluez quelqu'un. Je crois qu'on s'est Koné, c'est malinqué, non? Ou bien, c'est en malinqué, oui, on pouvait le faire. D'accord. Allez, saluez quelqu'un en malinqué, on vous écoute.
Ouais. Ma au village, depuis au village à Bako, à Odiende. Allez-y, il rit. Il n'arrive pas, il est content. Manika ka émission flé ay kana yo ko magi na yo ni foa ni pa ko ka pe ka ka foye. D'accord. Qu'est-ce que vous avez dit, traduction en français? Ah, je disais à maman au village que non, faut pas qu'elle va penser que je l'ai oublié, que je l'aime beaucoup et que je salue tout le monde au village là-bas. Donnez-moi tout le nom de maman s'il vous plaît. Elle s'appelle Kone Asita. Maman Kone Asita, on te fait un gros bisou. Ton fils Kone dit qu'il ne t'a pas oublié. Et puis si jamais, regarde pas, si vous connaissez maman Kone Asita quelque part à Odiené, il faut lui dire que son fils l'a salué ce matin à Matin Bonheur. C'est ça, non, monsieur Kone? Il est parti. Il nous appelait depuis le Gabon et c'est avec lui, amis téléspectateurs, qu'on met un point final à cette rubrique. Demain, le téléphone sera encore ouvert, mais cette fois-ci, on va vous proposer un thème et je crois qu'on parlera de cette maladie qui fait beaucoup de victimes autour de nous. On parle de l'Ebola demain. C'est pas un thème qui me plaît, mais on est obligé de parler parce que c'est d'actualité aussi, il faut prévenir. Vous allez nous donner votre point de vue sur les précautions que nous devons prendre et comment vous vous apprêtez chez vous à la maison, comment vous priez peut-être pour ces victimes, comment aussi il faut se laver les mains, se protéger pour prévenir cette maladie. Ebola demain à partir de 6h45 au téléphone et ça sera à vous, amis téléspectateurs, de vous exprimer sur ce sujet. Il est 7h, c'est l'heure de la pub, on se retrouve juste après. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida rappelle aux populations que les centres de diagnostic et de traitement de la tuberculose sont ouverts sur toute l'étendue du territoire national. Toute personne présentant une toux de plus de 2 semaines doit s'y rendre rapidement, bénéficier si nécessaire du traitement qui reste gratuit en Côte d'Ivoire. Engagés et unis contre la tuberculose, nous la vaincrons. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida avec l'appui financier du CDC PEPFAR. Premier film d'action ivoirien sur les arts martiaux, prix d'honneur au Monaco Charité Film Festival à Monaco en France. Prix du public au Festival International du Film des Lacs et Lagunes 2013. Ultimatum, actuellement en salle jusqu'au 14 avril 2014. Exclusivement au cinéma La Fontaine Sokossé de Plateau, au Centre culturel Jacques Lacan de Boitou. Ultimatum, le film événement à voir absolument. Infoline 67 30 27 70. 24 pages d'émotions partagées, 24 pages d'humour et de bandes dessinées, 24 pages d'investigations et de faits divers, 24 pages de rubriques encore plus passionnantes et originales, 24 pages de bonheur, de gaieté et de joie. Go Magazine, Biche et Allopolis, leader de la presse hebdomadaire ivoirienne. Et c'est reparti avec Awané, le rendez-vous hebdomadaire des tout-petits. Awané, l'émission des enfants, c'est chic 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 avec Tata Naomi. Tous les mercredis à 15h30, rejoignez Tata Naomi sur RTI1 pour une heure de divertissement. De culture dans la gaieté. Tata Naomi va lire la dictée. Tous devant le petit écran, ce mercredi 9 avril à 15h30. Et en parlant de l'émission Awané, Tata Naomi donne rendez-vous avec
toute l'équipe de cette production. On donne rendez-vous aux enfants de l'école Saint-Étienne de Koumassi à partir de 10h. Donc déjà 8h mise en place, 10h l'émission commence. On sera donc ce mercredi 9 avril à Koumassi, à l'école Saint-Étienne, pour faire la fête avec tous les enfants du dit établissement. Nous avons à parler maintenant avec Monsieur Anokwao. C'est la rubrique santé et bien-être. On parle de médecine traditionnelle et nous allons l'inviter à nous rejoindre sur ce plateau. Venez s'il vous plaît, bien habillé ce matin. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Bonjour Monsieur Anokwao, installez-vous confortablement s'il vous plaît. Merci. Devant, c'est pas son des tisanes. Oui. Quand il arrive ici généralement, plusieurs confrères, collègues sont super heureux parce qu'ils vont repartir chez eux avec de quoi soigner certaines maladies. Aujourd'hui, nous parlons de la posologie dans la médecine traditionnelle. Vous êtes venu avec des médicaments chez vous, on ne sait jamais. Il faut prendre une cuillerée, deux cuillerées, c'est matin, midi, soir. On a des difficultés. Aidez-nous à bien prendre nos médicaments. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour encore une fois, Naomi. Nous avions parlé la dernière fois, comment on dit, la réception, comment prendre les patients. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la posologie, c'est une suite logique. Avant d'arriver à la posologie, il faut pouvoir recevoir le patient. Donc aujourd'hui, cette posologie n'est rien d'autre que comment prendre les médicaments. En définition, simplement, c'est ça. Comment prendre le médicament, c'est ça la posologie. Très bien. Nous, en médecine traditionnelle, nous ne partons pas aussi loin. La posologie, c'est comment prendre le médicament, comment faire de telle sorte que la personne puisse prendre strictement son médicament. Et en médecine traditionnelle, la posologie existe. Beaucoup de personnes disent que non, il n'y a pas, c'est sans dose. Je vous dis bien que quand quelqu'un vous dit de prendre son médicament, une cuillerée à café, et faire bouillir dans un demi-verre, ou bien un verre et demi d'eau, ou bien deux verres et demi d'eau, et consommer un demi-verre deux fois par jour, je pense bien que c'est le dosage, c'est la posologie de son médicament. Mais ce n'est pas tous les tradis praticiens qui le font, vous êtes d'accord avec nous. Vous, par exemple, vous nous apportez vos produits, je lis comme ça, vous dites deux cuillerées à soupe deux fois par jour. On comprend qu'il faut prendre une cuillerée le matin et une cuillerée le soir, puisque vous dites deux fois par jour. Non, deux cuillerées à soupe deux fois par jour. C'est-à-dire deux cuillerées le matin, deux cuillerées le soir. Voilà, maintenant vous ne précisez pas si c'est avant, pendant ou après le repas. C'est-à-dire avant ou après le repas. Donc ça ne dérange pas, en fait, peu importe. Mais c'est deux cuillerées là, à soupe deux fois par jour. Mais vous êtes d'accord qu'on n'a pas cette posologie sur tous les médicaments traditionnels. La raison pour laquelle il faut aller vers un spécialiste, celui qui est connu par le programme national et connu par la Fédération des tradis praticiens de Côte d'Ivoire, celui qui a une carte de la Fédération. Et la guérison, c'est un don de Dieu. C'est un serment que le praticien a porté. Donc, qu'on ne soit pas malade et qu'on ne se dise pas, voilà, bon, parce que je suis malade, je vais aller chez n'importe qui. Il faut aller vers un spécialiste. On ne s'amuse pas avec sa santé. Donc, vous avez les tradis praticiens, disons, les praticiens maintenant de médecine traditionnelle qui sont bien formés, qui ont eu la formation du côté du programme national. Et je disais la dernière fois que l'OAS a institué un document qui permettra de former les praticiens sur six maladies prioritaires, prenons l'hypertension artérielle, le diabète, le VIH, la tuberculose, la drépanocytose. Vous voyez, donc ces six maladies, sur ces six points, hein, le praticien aura vraiment des notions pour pouvoir connaître ce que c'est que la maladie, pour pouvoir cerner ce qu'est la maladie et pour pouvoir lui donner des traitements adéquats au patient. Très bien. Et quand on a ce genre de sachet-là, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez tout. Voilà. Rien n'est inscrit dessus. Voilà, j'ai fait exprès. Voilà. J'ai fait exprès. Et ce genre de choses-là, on trouve un peu partout, hein, amis téléspectateurs. Okay. Hein? Donc, comment on fait? J'ai fait exprès. Oui. Et vous voyez, là, c'est son emballage qui est là. Bon, c'est son emballage. Donnez-moi. Merci. Alors, donc, on a un emballage. Je vais mettre ça juste à... Ou bien je soulève. Christelle Acoussin, voilà, je soulève. On a ça, ce produit-là. Voilà. On ne sait même pas c'est quoi, de quoi il est composé. Oui. Dans la ce main produit gauche est composé de... et dans ma main droite, oui. J'ai plutôt un emballage où
on me donne la composition même du produit, ce qu'il soigne, et comment je dois le prendre, et même les contacts de la personne pour d'éventuelles informations. Voilà. Donc, ça fait deux emballages différents. Voilà. Parce que là, j'ai suivi, c'est compte tenu de l'émission que j'ai enlevé de le produit. Mm-hmm. Mais là, de l'autre côté, j'ai suivi strictement les données de l'OMS. Parce que l'OMS a demandé que sur nos médicaments, qu'il y ait le contact, la posologie et la date de péremption sur, sur les notices. Mm-hmm. Donc, je pense pour ma part que j'ai suivi les instructions. Mais là, vous faites un appel donc... Non, là, j'ai fait exprès. Non, ici, vous donnez l'exemple de ceux qui ne mettent aucune indication. Donc, un appel pour dire ce genre de produit, on ne doit plus en trouver dans notre pays. Il faut respecter strictement ce que l'OMS demande. Maintenant, il faut pouvoir trouver des emballages où tout est inscrit. Oui, effectivement, il faut des médicaments vraiment bien emballés, bien présentés. Et parce que c'est la santé, il faudrait que le patient puisse être à l'aise en prenant ce médicament. Vous voyez ce médicament, l'emballage qui est là, cet emballage peut aller n'importe où. Mm-hmm. Et... personne peut prendre. Donc l'eau même peut tomber, il n'y a pas de souci. C'est peut-être l'étiquette, sinon c'est bien présenté. Donc, parce que la santé c'est primordial. La santé, elle est tellement importante qu'on ne doit même pas s'amuser avec la santé. Donc je demande aux praticiens de mieux emballer leurs médicaments, de ne pas prendre des bouteilles n'importe où, aller essayer de laver. Mm-hmm. Il faudrait que ces emballages se prennent dans la maison, mais dans les sources où ces emballages sont déjà stérilisés. Mais quand vous parlez d'emballage, moi j'ai envie de parler aussi de la conservation de ces produits. Vous avez une bouteille comme ça, vous finissez, on dit 2 cuillerées, on conserve comme au réfrigérateur, on fait chauffer. Là, ce n'est pas mis sur votre étiquette. Est-ce que vous ne devez pas aussi parler de la conservation sur l'étiquette qui présente le produit? Effectivement, la conservation de ce médicament se fait à base de plantes. Donc, moi, je conseille que mon médicament liquide ne s'utilise pas au-delà de 2 mois. Donc, c'est à partir de 1 mois, 2 mois, on peut, on finit de prendre le médicament parce que le traitement se passe en un mois. Oui, mais ce n'est pas inscrit normalement, puisque tout ça aussi fait partie... ça ne nous a pas été demandé. Ah, mais moi, je vous donne cette idée. Il faut y penser parce que je peux peut-être payer le médicament pour quelqu'un. Oui. Vous comprenez? Et surtout, chez vous, là-bas, on n'a pas forcément besoin d'ordonnance obligatoirement. Oui, on a mais pourquoi pas? Non, je veux dire, j'ai un frère qui est malade, qui ne peut pas se déplacer ou même qui est très loin de où je me trouve. Je peux prendre le médicament pour faire partir. Donc, si tout est indiqué, ce serait bien. Message à ceux qui hésitent à se faire recenser. Oui, que le praticien de la médecine traditionnelle se fasse recenser, se fasse connaître par la fédération, se fasse connaître par l'État du Côte d'Ivoire, par le programme national, et que la population ait confiance aux praticiens de la médecine traditionnelle. Vous voyez là, par exemple, les bouteilles où se trouvent des écorces dedans, il suffirait de mettre un litre dedans, ça c'est pour, les problèmes de faiblesse, ici vous avez aussi pour la prostate. Vous êtes venu avec votre truc de faiblesse. Oui, mais c'est important, vous voyez ce bout de bois de Dieu qui est là. Qui fait il a gardé le nom, bout de bois de Dieu, ça c'est mon petit papy chou de Yam Soukro dit, le bout de bois de Dieu. Ouais. C'est vraiment une inspiration de Dieu ça. Mm-hmm. Donc, que... Mais il y a Yao qui danse dans ce studio. Déjà. Ah oui, ils en auront suffisamment parce que j'ai prévu pour... Aujourd'hui on a envoyé une valise. J'ai envoyé une valise pour eux. D'accord, mais attendez, concernant la posologie, dites-nous, est-ce que si on ne la respecte pas scrupuleusement, on peut avoir des difficultés? J'explique, pour la médecine moderne, aujourd'hui, quand on vous dit de prendre 2 comprimés, que vous en prenez plus, vous pouvez faire une overdose. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Ou bien, si vous ne prenez pas comme il se doit, vous en prenez moins, vous pouvez ne pas guérir. C'est pareil aussi pour la médecine traditionnelle? C'est pareil. Moi, mes médicaments sont dosés.
quand je vous dis de prendre deux cuillères à soupe de médicament... Pas vous seul, votre médicament, je veux dire tous ceux qui se sont fait recenser, les tradipraticiens qui sont reconnus aujourd'hui, qui suivent... Les médicaments sont dosés, les médicaments des tradipraticiens sont dosés. Si on vous demande de prendre deux cuillères à soupe, c'est ce que vous devez prendre. Ne prenez pas au-delà des deux cuillères à soupe. Parce que là, au-delà. Je vous demande... On fait comme Tanti Laleka, on va plus loin. Un médicament, comment dirais-je, pour l'obésité, qui est très, 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 très efficace. Je vous demande de prendre une cuillère à café. Si je vous demande de prendre une cuillère à café que vous prenez au-delà de cela, mais ce n'est pas bon. Parce qu'en moins de 3 jours, vous pouvez perdre facilement 5 kilos. Mais vous savez quoi, j'ai essayé votre médicament. Ah oui. Moi, je l'ai essayé 2 fois, j'ai laissé tomber. Quoi, parce que en fait, quand vous prenez ce médicament, et c'est bien écrit dessus, moi j'ai pensé que c'était de la plaisanterie, hein. C'est un témoignage. J'ai bien vu que ça peut causer des vomissements, la diarrhée, la diarrhée. Les signes d'une femme enceinte. Bon. Oui. Mais c'est que toute la journée, moi, j'ai été paralysée. Ah oui. Excusez-moi, amis téléspectateurs, mais ça sortait par devant et par derrière, quoi. Ah, ok. De tous les trous, c'est pas possible. Je n'ai jamais connu, depuis que je traite, d'une plante aussi efficace. Et ça agit en même temps comme un coupe-nom toute la journée. Vous n'avez pas du tout envie de manger. Vous êtes dans un état, j'ai envie de dire, second. Ça te coupe l'appétit. Oui, tu n'as mais pas c'est la petite de partie manger. Où il faut être carrément avoir le tabouret dans les toilettes. Là, vous êtes averti. Prenez une cuillère à café. Ne prenez pas au-delà d'une cuillère à café. J'ai failli prendre au-delà. Il y a quelque chose qui m'a dit, faut essayer d'abord. Mais vraiment, c'est dosé. Vraiment, c'est dosé. Aujourd'hui, là... Maintenant, quand je vois des médicaments traditionnels, je demande bien d'abord avant de pouvoir en consommer. Oui. Plusieurs personnes comme vous ont pris le médicament. Dans un premier temps, ont jeté l'éponge et ils sont repartis. Ouais. Ils ont payé des médicaments n'importe où, mais au dernier moment, ils sont revenus sur ce médicament. Non, il faut revenir parce qu'au départ, ce n'est pas facile. On n'est pas habitué. Et puis bon, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous comprenez, tout le monde bouge. Alors qu'il faut prendre ce médicament la veille du jour où vous ne devez pas travailler pratiquement. On le prend la nuit. Rien que la nuit, on ne le prend pas. Oui, c'est pour dire la veille. C'est ça. Si par exemple, je donne un exemple, vous savez que mercredi, vous ne bougez pas, vous prenez ça mardi nuit. C'est ça. Là, toute la journée du mercredi, vous là, savez que tabouré vous dans là. Les toilettes. Non, mais il y a une certaine dose qu'on peut prendre, mais tu peux fondre dans votre corps, faire fondre la graisse, le taux de cholestérol, mais de telle sorte que vous ne soyez pas beaucoup bousculé. Ah, donc on va prendre une moins cuillère, qu'une cuillère soit à café. On peut prendre une demi-cuillère à café. Et ce médicament, je ne donne pas cette plante à n'importe qui. Même pas aux enfants, parce que là, vous allez les tuer. Moins de 18 ans, je ne donne pas cette plante. D'accord. Donc aujourd'hui, on parlait de posologie en matière de médecine traditionnelle. Il faut rappeler qu'il est important de pouvoir passer par la consultation, on l'a vu la semaine dernière, demander même la carte de membre de la fédération. De la fédération et du programme national. De promotion de la médecine. Voilà, là on est sûr que ce monsieur ou cette dame à qui on s'adresse respecte toutes les conditions et puis ensuite respecter scrupuleusement la posologie. C'est ça. Un dernier message avant de nous dire au revoir. J'ai dit à la population d'avoir confiance à la médecine traditionnelle parce que cette médecine traditionnelle, elle est au devant, elle est au début et on la trouverait à la fin. Elle a des principes actifs qu'il faut vraiment suivre et que. Le médicament traditionnel est vraiment dosé, que la population suit vraiment la posologie des médicaments traditionnels. D'accord. Et chaque deuxième mercredi de tous les mois, nous tenons les réunions au sein de notre siège. Et donc, vous avez combien de tradipraticiens déjà recensés, que vous avez réussi à recenser? Oui, aujourd'hui, nous avons 5000 tradipaticiens. Sur le territoire ivoirien? Sur le territoire, mais il existe 25 000 tradipaticiens sur tout le temps. Les 20 000, là, ils attendent quoi? Oui, les 20 000, nous sommes en train de les sensibiliser au fur et à mesure et j'espère que l'État va nous accompagner à pouvoir réussir vraiment ce Et pour le recensement, c'est à quel numéro il faut appeler? On peut appeler au 20, 22, 96, 25. C'est cela. 20, 22, 96, 25, 5. Et pas 7, 5 à la fin. 5, d'accord. 20, 22, 96, 25. Merci beaucoup, Monsieur Andokwao. On se retrouve dans 2 semaines par la grâce de Dieu. Et on espère que plusieurs tradipraticiens vont vous appeler pour enfin se faire recenser parce qu'il y va de la santé de toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire. On vous dit bonne journée avec cet élément qu'on a annoncé à l'entame de cette émission. On parle des plombiers. Merci. Titulaire d'un brevet de technicien supérieur, option bâtiment. Après plusieurs tentatives de recherche d'emploi, ce jeune homme décide de se lancer dans les petits métiers. On a essayé de côtoyer les greffes, nous ont un peu donné les techniques d'approche pour pouvoir essayer de mettre ça en place. Donc c'est qu'on a commencé par la somme de 25 000, l'acheter un WC, mettre ça sur le marché,
quand le client vient acheter le WC, on prend cet argent, on essaie d'acheter au moins un autre, ainsi de suite. Dans son magasin situé à William Civil, on trouve des articles destinés à la plomberie venus de l'étranger. Les articles que nous vendons viennent un peu partout. Il y a des articles qui viennent de la Chine, de l'Espagne, de la France, de Dubaï. Comme lui, d'autres jeunes ont opté pour ce commerce. À côté de ce commerce, ils ont un métier. À la force des choses, quand on est dedans, la plomberie, ça vient un peu. Mais en tout cas, quand on est dedans, lorsqu'on fait un petit moment, on arrive à avoir au moins la main dans la plomberie. Puisque c'est un travail, non seulement c'est un commerce, en plus, dans ce commerce, on se retrouve avec un métier qui devient la plomberie. Lambert, c'est cet homme, dit docteur de l'eau. On m'appelle docteur de l'eau parce que je suis un spécialiste fort dans la plomberie. Partout où je vais, ça réussit. Il a pour tâche d'installer et de réparer des appareils sanitaires. Le premier passe trois fois. Il fait évacuation, deuxième pression et troisième appareillage. Ça peut poser les appareils, les WC, les colonnes de douche, les robinets, tout. La plomberie est une des activités les plus demandées du bâtiment. C'est un métier où tu ne chômes pas. Tu ne chômes jamais. Je n'ai pas fait deux jours sans travailler. Avec de l'expérience, le plombier peut devenir chef de chantier, contremaître ou conducteur de travaux. Quand on est en bonne santé, on peut parler éducation. Et pour ce faire, nous sommes avec M. Kwasi Jean-François, assistant en communication à l'ONG Grande École.net. Avec lui, on parle d'un sujet important, harcèlement à l'école. Parents, comment réagir? Bonjour. Oui. Bonjour, Tata Naomi. Bienvenue. Merci beaucoup. Les nouvelles de ce matin? C'est juste un petit bonjour, comme le dit déjà un bon africain. Nous. Exactement. Mais puis, là... c'est un sujet... Vraiment. Le harcèlement à l'école, c'est un véritable problème. Hein. Mais comment on peut déjà le définir? D'abord, on dit d'un élève qu'il est harcelé à l'école lorsqu'il est soumis en fait, de façon répétée, je dirais aussi, et cela à long terme, hein, à des comportements agressifs de la part de ses camarades, des comportements qui sont donc... mis en œuvre pour soit le blesser, pour lui faire mal, pour le mettre dans une mauvaise posture vis-à-vis des autres, ou alors pour lui porter préjudice. C'est dans ce cas-là qu'on parle de harcèlement à l'école. Donc un élève qui est harcelé est un élève qui vit au quotidien ou régulièrement des agressions de la part de ses camarades. Et il ne faut pas confondre avec harcèlement sexuel. Non, on a déjà parlé de ce thème-là, donc on parle d'autre chose aujourd'hui. Oui, oui. C'est souvent même des élèves qui forment des groupes et qui sont emmenés à torturer moralement leurs amis, leurs camarades. Parfaitement, justement. Voilà. Et donc il peut s'agir de bousculades, il peut s'agir d'injures, il peut même s'agir de dégradation des matériels scolaires. L'enfant rentre de l'école avec ses matériels toujours dégradés.